الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم، على الله تكلاننا وإليه المصير. يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يقول المؤلف في كتاب نور الصراط صحيفة 25 على page 25 دو ليفر نور الصراط، لوتور غادي: حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض للإسلام معنى. Le jugement de celui qui prétend par la parole l'islam verbalement et il contredit l'islam dans le sens et dans la croyance. هناك طوائف عديدة كذبت الإسلام معنى. Il y en a beaucoup de groupes qui ont contredit l'islam. Et ils ont contredit l'islam dans les principes, dans la croyance que l'islam a ramenée. Voilà un tamawl l'islami lafzan, même s'il s'attribue à l'islam, il se proclame de l'islam. بقولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ils disent أشهد أن لا إله إلا الله. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. وبعضهم يأتي بصورة الصلاة والصيام. Et certains, ils font l'aspect de la prière et le jeûne et peut-être l'aspect du pèlerinage. لكنهم ليسوا مسلمين حقيقة لأنهم يعتقدون مثلا الحلول أو يعتقدون أنه ما في الوجود سوى واحد وهو الله تعالى وأن كل ما نراه هو الله. هؤلاء من أشد الناس كفر، هؤلاء مع أهل الإلحاد الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. Alors j'ai dit comme ceux qui prétendent qu'Allah s'incarne dans les corps des saints, comme al-Hallajiyya, certains qui se prétendent être soufis, ils croient qu'Allah s'incarne dans les corps des saints, et certains ils croient qu'Allah s'incarne dans le corps de Ali, ou certains ils ont dit Allah s'est incarné dans le corps de quelqu'un qui s'est nommé Baha'u'llah, quelqu'un d'autres ont prétendu qu'Allah s'incarne dans le corps de Al-Hakim Al-Ubaidi, parmi les gouverneurs fatimites en Égypte à l'époque. Mais encore pire que ça, ceux qui disent il n'y a que Dieu qui existe. Alors tout ce que vous voyez c'est Dieu, même les boîtes de sardines, les boîtes de thon, même les chiens, les cochons, même les tapis, même les montagnes, les arbres, les insectes, la poubelle, les fleuves, la mer, ils disent tout ça c'est Allah. Alors ça c'est comme les athées والعياذ بالله. لذلك الإمام الجنيد قال التوحيد إفراد القديم من المحدث. الإمام الجنيد le grand saint, imam بالورع والتقوى والعلم والتصوف. C'était un grand imam dans la science, dans la pratique, dans l'ascétisme et dans le tasawuf. Était vraiment une grande référence. Il a dit التوحيد, يعني la bonne croyance au sujet de Dieu. C'est le fait de croire, c'est le fait de savoir distinguer entre le Créateur qui est éternel et les créatures. إفراد القديم من المحدث, c'est-à-dire القديم, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est différent de toutes les créatures qui sont créées, qui ont un début, qu'on voit leur aspect, leur volume, leur quantité, ainsi de suite. أيضا هناك فرق كالإسماعيلية والقاديانية والمجسمة والقدرية. اليونا الإسماعيليت, بعض الناس ما بيعرف شو بقول الإسماعيلية. إسماعيلية مما يقولون أن الإمام عندهم إذا قال حلال هذا حلال, إذا قال حرام هذا حرام, ولو كان مخالفا للكتاب والسنة. Parmi les choses chez l'Ismaïlite, je pense il y a en Pakistan, il y a un peu en Syrie, et je pense peut-être en Arabie Saoudite, du côté de Yémen, il y a des Ismaïlites. Alors, le grand ministre رضي الله عنه نظام الملك les a combattus à l'époque dans l'empire, dans l'état Saljouqiya. نظام الملك était vraiment un ministre de bien. Il a limité beaucoup les dégâts de ce groupe parce qu'ils étaient des criminels. Ils tuaient les gens en cachette, ils tuaient les musulmans en cachette, ils jetaient dans un puits leurs cadavres et on ne sait pas où ils sont les musulmans, et ils les tuent et ils Et il les jette dans un puits.
Alors, c'est ismaélite, ils croient que leur imam, s'il dit c'est halal, c'est halal, même s'il dit c'est haram, même si ça contredit le Coran ou le Sunna. Ils disent lui, c'est lui la référence. Et le Qadianiya, ils ont dit que quelqu'un qui s'appelle Ghulam Ahmad al-Qadiani, ils ont dit que c'est un prophète et c'est un messager et qu'il est le meilleur des messagers et ce n'est qu'un menteur mécréant. Al-Mujassima, les anthropomorphistes, ceux qui attribuent à Dieu le corps, le fait de s'asseoir, ils disent Allah s'assoit sur le trône, il pose ses pieds sur le coursier, comme ils disent Al-Wahhabiyya. Ils disent le jour du jugement, on lui met la chaise, il se met au-dessus et il remplit la terre par sa lumière et il dévoile son tibia et les gens passent devant lui pour se prosterner. C'est comme l'idolâtrie, mais c'est de la mécréance explicite. Ou Al-Qadariya, et ceux qui nient Al-Qadar, Al-Ladhina yunkiruna Al-Qadar. المجسمة الذين قالوا الله يجلس على العرش والكرسي موضع القدمين ويقولون يوم القيامة يوضع له كرسي فيجلس عليه فتمتلئ الأرض بأنواره وأنه يكشف عن ساقه عن عضو ساق يقولون عضو ساق يكشف عنها فيمر الناس أمامه فالمؤمنون يسجدون والكافرون لا يسجدون قالوا هذا معنى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق أي عن شدة من الأهوال عظيمة كما قال ابن عباس ترجمان القرآن هو فسر الآية فقال يوم يكشف عن أهوال شديدة كما روى ذلك الحاكم وقال الحديث صحيح ووافقه الذهبي قال الحديث صحيح لأن هؤلاء يعني إسماعيلية والقاديانية والمجسمة والقدرية والبهائية ناقضوا الشهادتين باعتقاد ما ينافيهما. Pourquoi ces gens-là ne sont pas des musulmans? Parce qu'ils ont contredit les deux témoignages. Par le fait de croire à quelque chose qui contredit la signification du mot La ilaha illallah. Tu vois, lorsque tu dis c'est l'être humain qui crée le mal, tu as contredit le mot La ilaha illallah parce que ça veut dire c'est Allah Ta'ala le créateur, l'unique. Et si واحد قال الانسان يخلق افعاله هذا كذب مضمون الشهادتين وهو أن الله هو الخالق ولا خالق سواه الذي قال بالجسمية كذب مضمون الشهادتين بأن الله لا مثيل له ولا شبيه ولا نظير c'est lui qui croit que Dieu est un corps il a contredit la signification de shahada que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps n'a pas de similaire n'a pas de pareil فهؤلاء يتلفظون بالشهادتين وهم مكذبون لمعناها فليسوا مسلمين مثلهم مثل الذين يصرحون بالشرك أو يصرحون بالإلحاد. Ceux qui attribuent à Dieu le corps, ils nient la création de Dieu, la création de Dieu pour toutes les créatures. Ils sont dans la mécréance comme les athées, comme les mouchriquines, comme il a dit l'imam al-Halimi, comme il a cité l'imam al-Bayhaqi dans son livre Shu'ab al-Iman à la page 104. Premier volume. فإن الحلولية يعتقدون أن الله يحل في العباد وأهل الوحدة المطلقة يقولون الله هو العالم والإسماعيلية يردون الشرع الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون وجوب الصلاة والزكاة. Alors, encore, j'ai parlé de qu'est-ce qu'ils disent. الحلولية, ils disent que Allah s'incarne dans les créatures, ceux qui disent que le bas monde, c'est le monde, c'est Dieu, c'est أهل الوحدة المطلقة. L'Ismaïliya, ils disent la prière n'est pas obligatoire, la zakat n'est pas obligatoire, mais ils croient qu'ils doivent payer une fois dans l'année à leur chef, à son poids de l'or. Alors ils le pèsent et après ils mettent à son poids de l'or et des fois ils mettent de l'or, des diamants, tout ça. Et ils avaient un chef qui avait 115 kilos. Yeah. يعتقدون الإسماعيلية أنه يجب أن يعطوا الزكاة لإمامهم ويعطونه وزنه ذهبا هنا من بعد هذا واحد اسمه حسين الصباح واحد من الخبثاء الأرض كان عمل درب جماعات واحتال على بعض الناس أخذ بعض القلاع من جهة أفغانستان أو باكستان إلى بخي سختان ألموت أول قلعة أخذها اسمها ألموت وكان يدرب الناس ويضرب المسلمين فوضع لهم فكر هذا أنه خلص الإمام يكون من ذرية فلان فاليوم بيقولوا عنه إمام هو يمكن ما بيصلي وما بيصوم بيقولوا هذا رئيس الطائفة وبيعطوه مال وهو ما بيصلي وما بيصوم بيعتقدوا أنه هذا
من النسل تاع إسماعيل كذا، وهو يعني النسل بالنسب باطل، حتى النسب ما صحيح، يعني مثل الفاطميين ينتسبون إلى آل البيت ونسبهم غير صحيح. alors j'ai dit que الإسماعيلية ils nient l'obligation de la prière de la zakat mais ils donnent de la zakat soi-disant d'après eux pour leur chef à son poids. Et j'ai dit c'est celui qui a divulgué cette fausse croyance, c'est Hussein al-Sabbah. Il a étudié chez les Égyptiens, chez les Fatimiyin, et il a rusé quelqu'un. Il a pris une grande forteresse qui s'appelle Alamut, était bien protégée. Et puis après, il a pu prendre d'autres et il a entraîné son équipe à combattre, à tuer, et ils infiltraient dans les châteaux. Comme des espions, ils se montraient des fois avec les chrétiens, chrétiens, avec les musulmans, musulmans. Tu vois, ils s'infiltraient pour, lorsque lui, il veut quelque chose, il tue. Mais Nizam al-Mulk, il a beaucoup limité leurs dégâts. Et ces gens-là croient que, voilà, c'est leur imam qui dit c'est halal, c'est haram. والقادياني يزعمون أن غلام أحمد نبي، ونادي هؤلاء من إقليم المنجاب موجودين في الباكستان، هم بضعة ملايين الآن، ساعدهم الاستعمار الإنجليزي. أحمد القادياني إلى بخيتوندو إلى بروفيسي زيتي أو باكستان إي les Anglais ils l'ont soutenu et comme ça lui il a dit Allah m'a révélé les Anglais ils sont venus pour nous donner la civilisation ils sont bien. Et il a nié beaucoup des choses obligatoires. ولو كان بزعمهم لهم مساجد يأتون بصورة الصلاة. Ils ont des mosquées, ils prétendent qu'ils font les cinq prières, mais ce n'est pas valable. Lorsqu'on contredit le Coran, la personne n'est pas musulmane. ردوا الإجماع كفر بالأمر المعلوم من الدين بالضرورة وردوا النصوص كفر. Le fait de rejeter les textes du Coran et la Sunna c'est de la mécréance. Et le fait de contredire l'unanimité des savants de l'islam avec des chants, des choses où il y a, yani c'est connu d'une manière évidente, c'est de la mécréance. فهؤلاء خرجوا من التوحيد بعبادتهم لغير الله. Ces gens-là, ils ne sont pas dans la foi islamique, ils ne sont pas dans la bonne croyance par le fait de croire à ce qui contredit le premier témoignage. فهم كفار ليسوا مسلمين كالذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب. Il y a des gens qui croient que Ali ibn Abi Talib est un dieu. هو حصل في زمن علي ناس عبدوه فأحرقهم بالنار سيدنا علي. Il y avait des gens qui ont adoré Ali à son époque. هذول أتباع عبد الله بن سبأ. بدأوا بغلو معين ثم وصلوا إلى عبادته فأحرقهم سيدنا علي les a brûlés. Ils étaient 30 personnes. Ils l'ont adoré, il les a tués, il les a brûlés. Et maintenant, il y a des gens qui disent les Alawi, là, en Turquie, ils adorent Ali ibn Abi Talib. Il y a des gens qui adorent Al-Khadr alayhi salam. Al-Khadr Nabi, la yajouzu ibadatuhu, Aliyun Wali, la yajouzu ibadatuhu. Al-Khadr, c'est un prophète, il ne faut pas l'adorer. Ali ibn Abi Talib, c'est un saint, il ne faut pas l'adorer. كذلك الحاكم العبيدي من مصر الذي ينتسبون إلى فاطمة الزهراء وهي بريئة منهم كان من أخبث خلق الله. هذا في من جملة الأشياء حرم أمر الناس أن يعتاشوا ليلا ويناموا نهارا، وأنه عند العصر يبدأ الليل أو أنه في النهار للنوم. إلى سلبي له le gouverneur Ubaydi al-Hakim Amrillah il a ordonné aux gens de vendre dans la nuit et dormir dans la journée. Il ramenait des trucs très bizarres. Et al-zahir annahu qatalathu ukhtuhu. Ce qui est apparent dans l'histoire, parce que eux ils disent on n'a pas trouvé le corps, on a trouvé les habits, mais plus ou moins c'est sa sœur qui a complété pour le tuer.
كان عندهم كثير. هذا كان رجل خبيث، سيتان نوم تري ميشون سيلولا. وأيام صلاح الدين انتهى حكمهم بفضل أسد الدين شيركو وابن أخيه صلاح الدين، انتهى حكم الفاطميين على مصر. C'était au temps de صلاح الدين que le dernier gouverneur عبيدي est mort et bien sûr grâce à ce qu'il a fait comme effort l'oncle paternel de صلاح الدين أسد الدين شيركو et les princes الأمراء de نور الدين زنكي qui ont pris l'Égypte et صلاح الدين a pris l'Égypte au temps de نور الدين زنكي. Après la mort de نور الدين زنكي صلاح الدين est devenu le sultan des musulmans. وحكم من يجحد الشهادتين التكفير قطعا ومأواه جهنم خالدا فيها أبدا لا ينقطع في الآخرة عنه العذاب إلى ما لا نهاية وما هو بخارج من النار. Celui qui rejette les deux témoignages, celui qui rejette la signification du premier témoignage ou du deuxième témoignage, son jugement il est mécréant par l'unanimité, et s'il meurt sur cet état, il est dans Jahannam éternellement et il ne sort jamais du feu de l'enfer et il ne mourra jamais à l'intérieur. هذا الذي خالف الشهادتين ولو ادعى الإسلام لفظا ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا إن مات على الترسيم، على إنكار القدر، على استباحة الحرام، هذا كافر بالله، إن مات يخلد في نار جهنم لا يخرج أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال عن الخوارج؟ مع أن الخوارج قال لعمر يحقر أحدكم صلاته لصلاتهم وصيامه لصيام، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، قال يمرق أحدهم من الإسلام كما يمرق السهم عن الرمية. Alors pour parler, parce que certains te disent mais il dit la ilaha illallah, s'il dit la ilaha illallah c'est fini. Mais à quoi ça sert le fait de dire la ilaha illallah par la langue et contredire ça dans le cœur? Si ce qu'on dit par la langue contredit ce qui est dans le cœur il rejette ce qu'on a dit par la langue, alors on ne dit pas que c'est des musulmans. D'ailleurs, le Khawarij, ils n'avaient pas toutes ces mauvaises croyances qu'on est en train de dire, mais ils avaient d'autres choses et moins graves que ça. Et Sayyidina Muhammad a dit au sujet de le Khawarij, il a dit à Sayyidina Omar, si vous comparez votre prière à leur prière, vous trouvez que c'est peu ce que vous faites comme prière par rapport à eux. Et le jeûne encore, votre jeûne par rapport à leur jeûne, c'est peu. Ils récitent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est valable, qui sort du cœur avec la bonne croyance. Et il a dit, ils sortent de l'islam comme la flèche atteint le cible, ils sortent de l'autre côté. Et ils sortent de l'autre côté. Il a dit, si je serai vivant au moment qu'ils sont vivants, je les extermine comme la communauté de Had et de Iram. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يعني هنا لنقول أن كل أنواع الكفر الله لا يغفرها الله، ليس فقط الشرك، لأن أشد أنواع الكفر الإلحاد، فإذا الله لا يغفر الكفر بجميع أنواعه. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Alors Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim qu'Allah a maudit les mécréants et il a préparé pour eux un feu ardent, seront dedans éternellement, ils ne trouvent pas quelqu'un qui les soutient ou qui intercède pour eux. وعلى هذا أهل الإسلام قاطبة. Sur cette croyance tous les gens de l'islam خلفنا فيما تقدم أنه الكافر يخلط في النار لا يخرج منها ولا يموت. اثنان، انتسبا إلى الإسلام وكذبا ما جاء في القرآن. فأما الأول فهو جهم بن صفوان قال الجنة والنار تفنيان لا يبقى فيهما أحد، وأما الثاني فهو ابن تيمية قال نار جهنم تفنى لا يبقى فيها أحد. هذا تكذيب للنصوص القرآنية، ومن كذب النصوص كان كافرا لا حرج، وإلا كيف يكون الإنسان عاملا بالقرآن الكريم. Alors, il nous a contredit dans cette question deux personnes à l'époque. Il y a un, quelques siècles avant l'autre. Le premier qui nous a contredit dans cette question, il s'appelle Jahm ibn Safwan. Et c'est à lui qu'on attribue le groupe Al-Jahmiyyah.
Et il a dit que Jahannam et le paradis s'anéantiront et il n'y aura plus personne dedans. C'est pour lui, les gens du paradis vivent longtemps dans le paradis, mais après, ils vont mourir. Et il a dit même les gens de l'enfer, ils restent longtemps, après, ils meurent. Et les musulmans l'ont déclaré mécréant, comme il a dit Ibn Taymiyyah lui-même, que les musulmans l'ont déclaré mécréant. Et Ibn Taymiyyah, après lui, quelques siècles après lui, au 8e siècle, il a dit Jahannam a une fin. Il s'éteint. Et il n'y aura plus personne dedans. Il va être éteint et il n'y aura plus personne dedans. Encore, c'est de la mécréance parce que dans cela, on rejette les textes du Coran et celui qui rejette le texte du Coran, il a mécru. من هون بتعرف انه الوهابيين لما يقولون اتبعوا الكتاب والسنه كاذبون. كاذبون. بامر التبرك هم يعلمون ان ما اخبر الله تعالى عن قصه يوسف خذوا قميصي هذا، هم يعلمون ان المسلمون الذين حكى الله قصتهم في القرآن في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سنبني مسجد على هؤلاء الصالحون أو بقربهم لنتبرك بهم وغير ذلك من الآيات وهم يخالفونها ثم يتبعون ابن تيمية ثم يقولون نحن نتبع الكتاب والسنة هم كاذبون لا يتبعون لا الكتاب ولا السنة على الأقل في هذه المسائل يعني في بعض المسائل. Alors ces gens-là, je dis Al-Mujassim, ils prétendent qu'ils suivent Al-Kitab wa Sunnah, mais ce n'est pas vrai. Sayyidina Yusuf a envoyé son qamis pour son père. Il a dit, vous lancez ça, après mon père va avoir la vue. Alors comment ça se fait? C'est Dieu le créateur, ce n'est pas la chemise. Mais il y a l'odeur de Yusuf et il y a la baraka de Yusuf. Et dans Surat Al-Kahf, Allah Ta'ala a dit que les musulmans ont dit, parce que les autres ont dit, on va faire un mur, on écrit leur nom. Et les musulmans ont dit, on va construire une mosquée à côté d'eux. Pourquoi une mosquée à côté d'eux? Parce que, puisque c'est des gens pieux, c'est des saints, ils sont morts, enterrés là-bas, on met une mosquée à côté, on construit une mosquée à côté. C'est pour avoir de leur bénédiction, de leur baraka. Et Allah l'a cité dans le Coran Karim. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكان هذا ابن تيمية إذا وجاه العلماء يظهر التوبة والتراجع أو يكذب يقول ما قصدت هذا قصدت شيئا آخر ويذكر شيئا بعيدا كما ذكر ذلك تقي الدين الحصني في كتابه دفع شبهة من شبه وتمرد. Alors j'ai dit que Ibn Taymiyyah il niait des fois dans les débats lorsqu'il est coincé. Il dit non, c'est pas ça que j'ai voulu et il cite quelque chose loin qui n'est pas que la langue arabe ne donne pas cette signification. Il dit c'est ça que j'ai voulu, j'ai pas voulu ça. Et des fois il prétend comme quoi il s'est repenti, il ne dit plus rien. Après il sort de la prison et il revient de nouveau à ce qu'il a dit. Après ils ont dit celui-là, il faut qu'il reste dans la prison, il faut pas qu'il sorte et il est mort dans la prison. Mais pour dire que l'Ouahabiyya, ils disent que toi tu mets le hirz, c'est du shirk, leur imam Ibn Taymiyyah, il mettait al-zabaq, il mettait le mercure, il mettait le mercure sur lui. Et nous, haoula, yakouloun, l'imam yada'a kitaba fiha zikrullah, ou shay min al-Quran, yakouloun, tamima, la yajouz, shirk. Et imam Ibn Taymiyyah, yakra'u kitab tariq Ibn Kathir, mawjoud fi, kana yu'alliku حول عنقه خيطا فيه قارورة أو هذا فيه زئبق لما كان يفعل؟ قال هذا من أجل القمل الزئبق ينفع من أجل القمل والقرآن لا ينفع ما فيه بركة ما فيه خير تسمون هذا شركا هذا ابن تيمية هل تقولون عنه مشرك؟ هل خلعتم هذا من رقبته كما تفعلون مع الحجاج؟ بس كو il voit les حجاج en train de mettre le hirz il tire et comme il y a des fois le fil il est très dur. Des fois, il blesse les gens. Et ça, c'est grave comme péché. Et le fait de dire aux gens, vous êtes mouchriquine, c'est encore beaucoup plus grave. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de Ibn Taymiyyah qu'il mettait dans une. Il mettait, au lieu de mettre le Coran, il mettait le mercure. وقد أفتوا القضاة في المذاهب الأربعة بحبسه c'est les juges dans les quatre écoles qui ont donné la fatwa qu'il reste dans la prison et il est resté jusqu'à la mort. Et ومر السلطان محمود بن قلاوون أرسل رسالة إلى دمشق من اعتقد عقيدة ابن تيمية
حل دمه ويطرد من وأمر بطرد كل من كان على طريقته من الوظائف. Le sultan Mohammed bin Qalawun, il a dit et on a annoncé au Cham, celui qui a la croyance de Ibn Taymiyyah, on l'enlève de son poste. Et il a dit qu'il a mécru, celui qui a la croyance de Ibn Taymiyyah. Et ça, c'est quelque chose que Sultan Ibn Qalawun a fait avec l'accord des savants de son époque. ومن أدى أعظم حقوق الله تعالى بتوحيده تعالى أي ترك الإشراك به شيئا يعني لم يعبد غير الله ولا نسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخلد في نار جهنم خلودا أبديا وإن دخلها بمعاصي. هذا نعمة الموت على الإسلام. Celui qui a cru en Dieu, l'unique créateur, il n'a pas attribué à Allah Ta'ala un associé, il n'a pas attribué à Allah Ta'ala ce qui n'est pas digne de lui. Et il a cru à Muhammad comme prophète messager. Il n'a pas contredit l'islam. Il n'a pas déclaré halal ce qui est haram, vice-versa. Et il n'a pas contredit le Coran et la Sunna. Celui-là, il ira au paradis, même si auparavant a été dans l'enfer à cause de certains péchés. الذي مات على الإيمان لا بد أن يدخل الجنة وإن دخل النار بمعاصيه المؤمن العاصي لا يخلد في النار يخلد فيها من مات كافرا. Le croyant désobéissant ne restera pas éternellement dans l'enfer, mais restera éternellement dans l'enfer celui qui est mort mécréant. وفي النهاية على أي حال كان الخروج من النار ودخول الجنة بعد أن يكون قد نال العقاب الذي يستحق إن لم يعفو الله عنه. لأنه أحيانا هذا إما أن يخرج بعد أن ينال العقاب الذي يستحق أو يغفر له عن بعض تلك الذنوب. Soit ce musulman désobéissant, il sort après qu'il a eu le châtiment qu'il mérite pour ses péchés. Et pour certains, Allah les fait sortir avant qu'il termine la durée qu'il mérite. C'est-à-dire, il leur pardonne le reste de leurs péchés. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. تعرف الحديث قال أبو ذر وإن سنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. Alors البخاري a rapporté que سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم a dit sortira de l'enfer celui qui a dit لا إله إلا الله en ayant le minimum de foi dans son cœur. Il a dit à Abu Dhar, même s'il vole, même s'il a forniqué, il a dit même s'il a volé, même s'il a forniqué. À trois reprises, il a dit malgré le nez de Abu Dhar, il est mort musulman et ne reste pas dans l'enfer éternellement. وأما الذي قام بتوحيده تعالى وآمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واجتنب معاصيه وقام بأوامره فيدخل الجنة بلا عذاب حيث النعيم المقيم الخالد. Maintenant, celui qui a cru en Dieu, celui qui a proclamé l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala, il a cru à ses prophètes, à ses anges, à ses livres, au jour du jugement, il a évité toutes sortes de mécréances, il a pratiqué les obligations, il a délaissé le haram, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala parfaitement, alors celui-là, il ira au paradis sans subir aucun châtiment. وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً Allah ta'ala wa'ada al-muhsinin bil-jannah, وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah a promis aux bienfaisants le paradis et Allah ta'ala Allah Ta'ala fait ou réalise de ce qu'il a promis. بدلالة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Alors, dans le hadith القدسي rapporté par Bukhari dans son livre الصحيح que le prophète alayhi salatu wasalam a dit قال الله تعالى Allah a dit j'ai préparé pour les adorateurs pieux ou saints ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul esprit n'a imaginé. Après Abu Huraira, il a ajouté l'Abu Huraira qui rapporte le hadith, il a dit récitez si vous voulez l'aya قرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Que les gens pieux ne savent pas qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé comme une récompense
étonnant qui réjouit leurs yeux. Ils ne savent pas ce qu'Allah a préparé comme récompense dans le paradis pour ces gens qui réjouit leurs yeux grâce à ce qu'ils ont fait comme bien. فهذا النعيم نحن في القرآن الله تعالى ذكر لنا الحور العين أزواج من الحور العين. Il y a des femmes parmi les gens les femmes du paradis pour les hommes dans le parmi les êtres humains. ذكر الولدان المخلدين. Il a cité ceux qui servent les gens dans le paradis. On dit les الولدان المخلدون. Le minimum, il aura 10 000 à son service. Là, 10 000 يخدمه. أقل المسلمين. 10 000. وهم أحلى من الشمس والقمر. Ils sont plus beaux que le soleil. Ils sont plus beaux que la lune. Ces serviteurs-là qui lui ramènent la nourriture avec des plats en or et en argent métal. الذين أتونه بالطعام والشراب على صوان من ذهب أو فضة. ترابها مسك حصباؤها لؤلؤ أشجارها ذهب ثمر النضيج ثيابهم حرير يحلون فيها أساور من ذهب. هذا الذي ذكره الله لنا في القرآن شيئا عظيم. قصور مبنية من ذهب خيام من لؤلؤ. Ce que Allah a cité dans le Coran, c'est quelque chose de très étonnant, très étonnant. Que le minimum, il aura 10 000 parmi le Wildan à son service, il aura comme cette terre et 10 fois plus. Et les habits en soie, ils auront des bracelets en or et en perles. Et ils ont de toutes sortes de fruits, ils ont de toutes sortes de fleurs et roses. La terre, c'est du musc blanc. Les pierres, c'est des diamants. Et il y a les châteaux en or et en argent métal. Il y a les tentes en perles. Et il y a encore une récompense que les êtres humains n'ont jamais vue, n'ont jamais entendu quelque chose à pareil à ça, et ils n'ont pas, il n'est pas venu même à leur esprit. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة من غير عذاب بل نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصالح من الأعمال وأن يهدي قلوبنا لما يحبه ويرضاه وأن يوفقنا للإخلاص لننال تلك الدرجة من غير عذاب إنه سميع قريب مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.